discours, c'est que je pense que l'Estaque a montré le chemin sur le match aller. À nous d'emmagasiner aussi la confiance sur ce match aller, d'intégrer aussi ce qu'on a fait sur les premiers matchs. Tout n'était pas à jeter. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été mises en place. On avance, ça ne sera pas encore parfait dimanche, mais on avance, vous l'avez dit, c'est une échéance importante, comme le sera celle de la semaine prochaine, comme l'était le match à Angers. On a envie de montrer qu'on avance et qu'on progresse dans notre façon de faire. On travaille par rapport à cette équipe de Metz qui a énormément de qualités individuelles. Il y a plusieurs joueurs là-bas que je suis depuis un moment et ils auront à cœur, eux, justement, de corriger le match aller et de se relancer dans le championnat. Non, on sait que, bien entendu, on sait que ça va pas être. Que ça va être très 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 compliqué. On sait qu'individuellement, il y a de très bons joueurs en face. À nous de faire en sorte que leur remise en route ait lieu dans 10 jours. Les 3 matchs en une semaine ont laissé des traces dans mon effectif. J'ai pas mal de joueurs qui ont besoin de récupérer. On a eu un recoup de Covid sur 2 ou 3 aussi, avec mon staff. Du coup, on a vraiment travaillé sur une semaine. On a pu intégrer Mama Baldé, on a pu intégrer Rominig qui est revenu. On attend Issa la semaine prochaine, on attend Hugbo la semaine prochaine. On n'a pas encore tout l'effectif à disposition, mais effectivement, ça commence à prendre forme. La pression, elle y est chaque semaine. La pression, elle y était contre Lyon, elle y était à Montpellier, elle y était à Angers. Enfin non, la pression, et c'est bien parce que la pression, il faut savoir s'en servir de façon positive et je m'en sers et les joueurs s'en servent aussi de façon positive. Mais oui, bien sûr qu'il y a la pression. À nous de s'en servir justement pour être performants. Ça va être un match avec beaucoup d'engagement. C'est que Metz, ils mettent beaucoup d'impact physique. Voilà, ils se sont aussi pas mal renforcés durant ce mercato. Et voilà, c'est un bon match avec beaucoup d'engagement. Le match aller, c'était à peu près la même situation qu'aujourd'hui, hein. On n'était pas trop loin l'un de l'autre. Et c'est la première victoire à l'extérieur. Après, aujourd'hui, tout a changé. C'est autre chose. Et on va essayer de mettre en place. Ce que le coach nous demande et pour contrecarrer les plans de Metz. C'est un match important, mais après, ce n'est pas non plus une finale, parce que le championnat est encore long. Et voilà, nous, on veut prendre des points à domicile, c'est le plus important.